Il y a un propos de Boudin qui est drôle, il dit, qu'est-ce que vous voulez, quand on a les plages de Villers et de Villerville, on a tout, c'est pas la peine d'aller ailleurs. Moi je suis là, je respire l'air marin, comme il dit en peignant, et c'est son bonheur, il va faire ça en fleurs, il va faire ça sur la côte normande. Pas un hasard si la côte normande, caractérisée par une large palette de phénomènes naturels, a été une source inépuisable d'inspiration pour les générations d'artistes. Le génie de la Normandie a suscité chez les peintres qui l'ont habité ou chez ceux qui l'ont fréquenté le besoin de dépasser le pittoresque tout en prenant appui sur la réalité intérieure du motif. Le champ, ainsi rendu libre, il peigne la couleur du temps. Le luxe de la peinture est de prendre son temps. Celui du peintre, c'est de lui donner le sien. Un temps qui n'est que d'ici, inclus dans certaines lumières, repérables et inimitables. C'est la lumière de tous les instants, la lumière normande. C'est la lumière des éclaircies, c'est la lumière des couchers extraordinaires sur les rochers. Ces grandes plages immenses que Boudin rend merveilleusement. Cette année, Deauville veut valoriser des collections extrêmement différentes, la collection peintre en Normandie et la collection du musée des Franciscaines, pour lier des artistes sur près de 2 siècles d'histoire de l'art. Ces artistes se sont ingéniés en Normandie à travailler sur la chair, le grain, la texture, la lumière, dans cette espèce de profondeur du territoire. La poétique de la vérité, c'est la vérité de ces lieux réinventés, revus, reperçus, et c'est ça l'intérêt de l'art. Un art spontané, gestuel et changeant. Cette peinture reste romantique fondamentalement, donc elle a, vis-à-vis du public, des exigences de sincérité.